Yo, what's up, gens d'internet, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on va commencer l'épisode avec un don de mon ami Onyx. Donc, un... Oh, non. Non. Non, des bottes en météore, les gars. Oh, non, 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 non. Ça, c'est pas légal. Oh, non, 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 non. Merci, mon ami. OMG. OMG. Merci. C'est super rare, les bottes en été, man. Holy fuck. Thanks, big boy. Thanks, 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 thanks. Fait que j'ai presque un full... en fait, j'en ai un full. Je pense qu'on va l'utiliser pour aller PVP plus tard. Faut que je mette des trucs P4 là-dessus. Ça, je faut que je transforme ça en P4 aussi. Mais là, j'essaie de me faire des bots. Donc, aussi, j'ai un petit pillage aujourd'hui, peut-être. Donc, on va essayer de faire un peu PVP. Un peu de pillage, peut-être vers la fin. Ah, yes. Donc, peut-être par la fin, essayer de... d'aller PVP. Donc, on a un épisode. What? You have spent... 180 XP pour des... Ah, ok, what the fuck. C'est bien bizarre ça. J'ai parlé de 32. Ah, ok, mais genre les bulles. Okay. Ah, c'est vrai, il faut les lancer sur la tête. J'avais oublié. Attends, je le cherche. Ok, t'inquiète. C'est lui qui a le pillage, c'est mon ami Yezinoz. Donc, whoop a light. Je sais pas tirer des bouteilles d'XP. Coucou. Il est super tôt le matin, les gars. Il est... Attends, chez moi, il est minuit. Il est 2h du matin. Je viens de me réveiller. J'arrivais plus à dormir. Plus j'ai genre réfléchi. Puis je voulais faire une vidéo sur ce qu'est le PVP. Je sais pas pourquoi. J'en avais juste envie. Ça, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire là. Donc, toc, toc, toc. On va faire. Ça comme ça. On va ensuite faire ça là-dessus comme ça les amis. Comme ça on a des bots P4 U3. On va mettre nos bots P4 U3 ici. On a encore un truc. On a-tu un truc qui manque U3 là-dessus? Non. J'ai mes bots en météore. Je pourrais peut-être enchanter niveau 30. Ça vaut-il la peine d'enchanter les bots météore niveau 30 les gars vous pensez? Je sais pas, je vais le faire quand même. Oh c'est vrai sur la tête. J'oublie tout le temps, je suis pas habitué même. Ok, ben je vais enchanter niveau 30 les bots météore. Peu importe ce qu'on a, c'est pas grave. Parce que bon, de toute façon... ça reste OP, même s'il n'y a pas de protection, on trouvera une solution. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Feather Falling Cat, c'est actuellement pas si mal, savez-vous pourquoi? Parce qu'on peut les fusionner avec ceux-là, puis faire vraiment des bots OP. À moins qu'on attende, puis on fasse deux bots comme ça, P4. Je pense qu'on va attendre, pour faire deux bots P4. C'est plus intéressant, il faudrait juste que je trouve un... Quelqu'un me vend un livre P4, genre pour 2000. The fuck? J'ai combien d'argent? J'ai 11 000, tu vois, je pourrais... Attends, peut-être que si on va dans le HDV Open, vous m'aviez dit que c'était, right? Ouais, c'est comme ça. Wow, what? Ok. Nous, on a besoin de rechercher pour protection. Et là, on va... Feather Falling Cat. Not really. Oh wow, y'a pas de truc. Ok, bon, je vais chercher ça puis je vous reprends. Yup, les gars, donc on est niveau 30. J'ai acheté des bouteilles d'XP dans le HDV. Voilà. J'ai acheté des niveaux 30 puis on va juste enchanter des livres niveau 30 parce qu'il faut essayer d'avoir protection 4 vu qu'il y a personne qui en vendait. So, on va juste faire ça. Puis dans le fond, en espérant qu'on puisse être chanceux. Puis tomber sur un protection 4, ce serait quand même cool. Notre ami a déjà le pillage de prêt, il m'a dit qu'il était déjà rendu. Donc, je pense qu'on va faire ça tout de suite pour finir avec une petite course PVP. Je pense que ce serait la meilleure des choses à faire. Boom. Comme ça. Niveau 30 encore. C'est parti. Protection 3. Ouh. Mais Fire Aspect 2. J'ai aucune épée qui est Fire Aspect 2, je pense. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va faire. Faut que si on a un autre poupée 3, on peut le refusionner. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut quand même le mettre dessus puis attendre demain. Avec le titre enchanteur, on aura assez. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ok, je vais être recruté, mais je suis pas modo. Comme ça. Please P3! Ouh. Nope. Mais on va l'utiliser le livre pour mettre sur notre skill pickaxe. Donc, bref. Je vous reprends, les amis, quand je suis rendu au pillage. Hey yo, je vais le mettre sur ma skill pickaxe, comme je vous l'ai dit. Regardez, ça va me faire un effet 5, c'est le touch 1. Sur ma skill pickaxe, ça va être quand même vachement bon. Puis, ah, oh, en fait, on en avait deux. On a aussi un Feather Falling, puis tout, ça. Ah, c'est cool. Puis, je pourrais même mettre Unbreaking dessus. Tant qu'à y être, voilà. Là, on a vraiment une good pickaxe.
Puis il me reste un sharpness 3, puis comme j'ai dit, protection 3 qu'on va mettre sûrement sur l'autre truc. So, on va acheter un peu plus de level dans le HDV Open. On va aller à la page 2, je crois, qui sont les 3 là. On va acheter un peu d'XP, puis on va continuer à enchanter des livres, donc on va continuer à acheter pas mal d'XP. Donc, je vais te faire tout ça, les gars, puis je vous reprends si j'ai un livre P4 tout de suite. Oh my god, les gars, je l'ai eu, je l'ai eu. J'ai enchanté, j'ai eu protection 4 direct, donc super, super. Il me reste encore plein d'XP, donc je vais continuer à enchanter. Peut-être qu'on pourra avoir une autre protection 3, si on va mettre ça là-dessus, sur des bottes en météore, si ça va nous faire un P4. Oh my god, ça va être bon, ça. Yes, sir, je suis content. Fait que là, on aura du P4 météor, voilou, voilou. Donc, on aura deux bottes en P4 météor. Comme ça. Et il faut encore travailler sur notre truc ici, à moins qu'on utilise ça pour le mettre là-dessus. Ouais, je pense qu'on va utiliser ça puis le mettre là-dessus. Ok, à tout de suite, les gars. Super, les gars. J'ai enchanté mes autres livres avec les autres bouteilles d'exclus qui me restaient. J'ai eu un P3, U3 et Sharpness 3. Sauf qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner nos deux PS et on va mettre. J'ai fusionné les deux trucs, je vais vous montrer en fait vite fait ce que je veux dire. J'ai fusionné ça, les deux plastrons que j'avais ici en haut, je les ai fusionnés en P3, fait qu'on va faire un P3 avec ça, un P4, et on va faire avec celle-là un P4 U3 comme ça, ça nous fait deux pièces de P4 encore pour PP, plus ben, tous ces livres-là que j'ai pas vraiment besoin, que je vais laisser à mon ami, et donc voilà. Je vous retrouve pour le pillage maintenant. Oh rip, les gars, on s'est fait piller notre farm à cannabis. Je viens de mettre TP, puis regardez, c'est tout pété. Oh my god, rip. Bon, on va espérer qu'on peut avoir du météore ou du tita. On a eu deux titas tout de suite, là. Ça, c'était vraiment chanceux. Please, un météore. Non, pas de météore. On a eu quand même deux titas. Donc, c'est quand même pas si mal. Ils ont tout pris, ouais. Ils ont vraiment tout pris. Rip. Bon, ben, rip. On s'est fait piller encore une fois. Zut de flûte. What's up, les gars? Donc, on se reprend. Donc, je me suis TP à Nitz pour un petit don. En fait, hier soir. Attends, avant hier, je crois que c'est là que j'ai. Filmé. Le serveur s'est mis à crash et j'ai pas pu rec ce que j'avais prévu de rec. Donc là, Annie dit je vais me surconnecter aujourd'hui et puis là, il m'a dit qu'il y avait un don. Merci. Oui. Je peux pas venir sur TeamSpeak de skip PP, gros, je m'excuse. Il m'a donné deux pump sheet. Thanks. Je sais. Ok, donc voilà, deux pommes cheat en plus. Merci Anine, ça fait plaisir, à plus tard. Oui, hop les gars, on se reprend pour un autre don d'une personne qui s'appelle Easy Rex. Je sais pas son pseudo. Il m'a donné deux pommes cheat et pas mal d'armure. Et là, il me drop de l'obsidienne. Merci à toi mon beau, je prends un Styrex Go dédicace, dédicace à Bifreeze, dédicace à Star Wars 38, dédicace à Wexé. Et aussi, tu peux faire de la pub pour Machine Tube. Je suis désolé. Je fais pas ce genre de truc. Ok, les gars, allez voir sa chaîne YouTube. S'il vous plaît, sa chaîne c'est Sarah. Allez laisser un commentaire et dites Icon, tu fais pas de pub. Donc voilà, allez lui dire ça à sa chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous retrouve pour un autre don tout de suite après, les amis. Ok, bon, on se retrouve pour un autre don de suicide. C'est un pseudo très décourageant. Mais c'est pas grave, je te pardonne. What the fuck? Il m'a donné un arc en météore, ok, j'ai dit. L'arc, il a effet cécité. Est-ce que c'est bon? Power 4, flamer, cécité. 4 pièces à spawner, plus 20 graines de cannabis. Ça. Shit, man! Thanks, bro! C'est bien, ça. Thanks! Ça fait plaisir, mec. Ok, attendez, il y a des gens qui voulaient des dédicaces, donc dédicaces, et ici, lui qui m'a fait un don juste avant. Ensuite, il y avait qui voulait un autre don? Et Roucraf. Adrelas, Bikeline, donc dédicace à vous les copains. À tout de suite. Ok les gars, il y a plein de gens qui veulent des dédicaces, donc Shildro veut une dédicace. Il y a, c'est vrai la vidéo sur Ice Sweet. What the fuck, ça date de fucking 10 ans cette vidéo là. Donc attendez, il y a un gars qui veut me faire un don, il s'appelle 110-10. Pseudo très original, mesdames et messieurs. Il a dû le prendre sur eBay, bien entendu. Oui. Toi, chercher faction, bonne beaucoup. What? Il m'a donné une fleur. Mon dieu. Oh my god. Oh mon dieu. Tu es trop romantique. Il m'a donné une pioche. Oh shit! Il m'a donné une pioche en météore! Oh. Efficacité 5 en Breaking 3. Ok, bon, je vais lui donner ma pioche de merde parce que je vais garder sa pioche. Tu t'es pillé avec nous ou pas? Non, mec. Je vais faire un 1v1. Merci, Oh, merci mec, ça fait plaisir. Ok les gars, donc on va se taper, j'ai dit il y a un don, mais avant on va se taper un gars qui s'appelle Skill PVP. Il avait besoin de la TNT, puis j'ai dit que je lui donnerais de la TNT.
Message kill PVP TP viens au hold. Ok, j'arrive. Oh mon dieu, y a tellement de gens qui me parlent aujourd'hui. Je panique un petit peu. Donc je vais lui donner de la TNT. Voilà. Je n'ai plein de sacs de TNT. Je vais aller au spawn au halls. Ben viens au halls aussi au spawn alors. Ça t'est payé combien? À quoi? 100 euros. Je lag au spawn, t'es putain, ça sera plus simple. Attends, ben je vais aller au hall parce qu'il y a, lui qui veut prendre un screen au hall puis il veut me faire un don à skip. Donc moi, je vais aller. Bien, je sais, mec. Je peux avoir un screen, viens au spawn. Je suis au hall. Message. Ah, ben il est là, je pense. Ouais, voilà. Quand tu t'es fait de la YouTube money? Oui, bien sûr. C'est pas à 30 euros l'épisode? Nope. Nope, 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 c'est 20 euros l'épisode, les amis. Si vous voulez vraiment savoir combien je suis payé sur Skill PVP, c'est 20 euros pour un épisode et c'est 5 épisodes que je fais à la fois. Donc c'est 100 euros, je suis payé 100 euros d'un coup. Et si ça vous intéresserait vraiment, si ça vous intéresse vraiment, je suis pas. J'ai pas vraiment besoin d'argent, c'est juste par principe. Dans le fond, c'est que c'est toujours le fun d'avoir un petit peu d'argent de côté, les amis, tu sais, genre quand on. Pour s'acheter. En vrai, okay. Qu'est-ce que je fais avec? Vous pouvez demander à JD, tout le monde, à Ico. Ico, t'es là. Tout ce que je fais avec l'argent que je reçois des serveurs, j'achète des skins CSGO. J'achète des skins CSGO. Vous pouvez demander à Ico, c'est vrai, je fais juste ça, mec. Ton petit don. Je fais juste acheter des skins CSGO, je suis trop con. C'est là le halls, right? Voilà, c'est là. Le gars, il a dit qu'il y avait un don, mais j'ai oublié. Je vais essayer d'avoir des skill keys pour la fin de l'épisode, les amis. J'ai un don. Ah non, faut PVP. Message. Ok, c'est vrai. Mais attends, il y a plein de gens qui ont des dons, gros. Faut répondre aux abonnés fidèles, tu vois. De bander. Ok, d'accord. Fais-moi pas jouir trop, s'il vous plaît. Attends, lance-le pas par terre. Ah, tu t'es TP. Ouais, mais accepte pas tout de suite. Accepte pas tout de suite. Accepte pas tout de suite. Pas sur un skill. Accepte pas tout de suite. Il y a quelqu'un qui veut me faire un don. Il m'a donné des pommes, des blocs de diam, il m'a donné du titanium. Merci, mec! Ok, tu sais quoi, j'ai un cadeau pour toi. T'as une tombée des coffres à 16h si tu veux le recueillir. Voilà. Cadeau. Donc, t'es payé, yes, gros PD, j'ai autre chose à foutre, moi. Merci. Ouais. Malfox! Ouais? On parlait justement comme quoi que Skill PP me donnait de la thune et que j'achetais que des skins CSGO, c'est vrai, hein? Bah oui, bien sûr. Les gens ils me croient pas, mec. Ils disent que je dépense l'argent de ma faction dans des skins CSGO, gros. C'est quoi ça? Ok, t'es vraiment fils de pute. Nique ta mère, j'ai dit. Ok, en fait, les gars, ils nous trollent plus. Ils nous a... Oh, ils nous ont donné du P3, du P4! Oh, c'est dommage que j'étais dans ma faction, sinon je t'aurais banni et je t'aurais tué, mais bon. Il m'a drop des high-keys, les gars. On va les ouvrir au spawn, bien sûr. Lolilol. Pourquoi tu me fais courir tous les sens, gros fils de pute? J'ai mal aux jambes là. Je suis un gros porc, moi, t'as obligé, j'ai mal aux jambes, gros. Putain, t'es casse que j'ai dit en vrai, je vais te casser la gueule, mec. Vous faites quoi de beau? On joue sur Skill PVP, je suis en train de faire une vidéo en ce moment. Ah, trop cool. Donc dis bonjour aux abonnés fidèles qui sont méchants et qui disent que j'ai acheté des skins CSGO avec la thune. Mais, et puis même si c'était vrai, franchement, tu fais ce que tu veux. Je sais, mais ça me dérange parce que je le fais pas, c'est ça le souci. Bon, t'es sérieux, tu me mets des skill keys, quoi? Depuis quand t'as des skill keys, gros? Tu les achètes sur la boutique, sale pigeon, va! Non, même pas! Je peux montrer. J'arrive. Au... ok, ouais, ben je vais les ouvrir aux halls alors. Hein. Merci, JD, pour ton don. T'es ton don super. J'ai 69 de crit plus. Ah ouais, mais je suis en combat à cause de toi. Hein. Gros, je suis en combat, attends. Wouah, ça date. Ouais, de ouf. Je me souviens de son pseudo, allez. Gros, mug. Bon, je réponds aux abonnés fidèles, je vais au truc, je vous reprends. Ok, les gars, on se reprend. Donc, je vais ouvrir des skills clés. Les deux que tu m'as donné, je vais les ouvrir en espérant qu'on ait quelque chose de bon. Gros, j'ai gagné 3 œufs de creep. Trop fort à vous. Ça veut dire quoi, tabarnak? Ça veut dire putain. Je sais ce que ça veut dire. Et... Oh, j'ai gagné un petit acide. En fait, j'ai gagné quoi? Un kit minerai, en fait. Oh... Oh, 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 oh. Ça, c'est bon. Donc, attendez, je story mon P4 maintenant. Donc, voilà, attendez comme ça. On va regarder ces bottes-là à la place. C'est pas P3, ça c'est du P3, ça on va le donner à eux.
Oh, ça, on n'a pas de ça. Ça, on va prendre ça. Ça, on va mettre ça en vente. On va mettre nos 20 œufs de crème en vente. On va garder cette farm axe. Attends. C'est mieux si le touch? Non, c'est mieux ça. Parce qu'on pourra nettoyer. On va mettre tout ça en vente, les gars. Puis je vous reprends après. J'ai win un skill bag, tu veux. Sérieux? User joined your Bon, channel. fait, je fais juste l'ouvrir. Dis-moi ce que t'as au pire. Un joint. Allez, je sais! Les gars, je vais mettre une épée en Tita ou HDV, en fait, pour 10$. Je vais juste la fixe avant. Parce que, voilà, parce que vous êtes trop gentils avec moi, vous me faites tout le temps des dons. Donc, c'est un peu à moi de mettre des dons aussi, des User fois. left Donc, your channel. 10, 1, let's go, c'est parti. C'est qui l'a acheté, vous pensez? Y a personne qui l'a encore acheté? Bon, y a personne qui l'a acheté? Voilà, Y'a que qui des l'a acheté. pauvres. HDV mail. Voilà, on va voir qui l'a acheté. Ok, il n'y a personne qui l'a acheté. On peut même pas voir c'est qui. Screen. Ah, oui, tiens. Juste là. Juste là, mon copain. Bon, je vous retrouve pour la séquence PvP. À tout de suite. Gars, je viens de donner toutes mes kits que j'avais au spawn à tous ces gens-là. Sauf je me TP à GD, on va péter des random ore avec mes nouvelles pioches. Donc, j'ai deux efficacités 5 comme ça. Donc, il y en a placé environ 80 normalement. Right? So, on va continuer à ta... on va continuer à monter le truc. Tasse ton gros cul. Voilà. Voilà. Donc, il y en a 80 plus 12. Donc, il y en a 92. On va voir combien on est capable d'avoir de trucs avec 92. Donc, t'es prêt? Have fun. Faut du météore. J'ai un météore tantôt. J'en ai ouvert 12 dans mon kit minerai. Et j'en ai eu. J'ai eu un météore sur 12. Donc, c'était vraiment bon. J'espère qu'on va en avoir quand même un peu ici. Au moins une ou deux, ce serait cool. Deux, ce serait quand même pas pire. Sur 90, on n'a pas le choix d'en avoir au moins une. Sinon, Ok, t'es sérieux, on n'en a pas eu une? T'en as eu une ou pas? What the fuck? Moi non plus, gros. On a seulement eu trois titacites. What the fuck? Check ce qu'on a eu. What the hell? Ouais, on est pauvres. So, ouais, En fait, Steve, le gars que j'avais donné le TNT tantôt, il me dit qu'il était à une couche d'y arriver, puis qu'il était prêt à l'intérieur de la base. Mais là, ils ont un genre de problème avec leur canon. Attendez, on va faire un test vite fait. Je pense pas que ça. Ouais, c'est juste le délai de la TNT, de la dernière TNT au bout là-bas qui est pas bon. Ouais, c'est juste le délai qu'il faut éditer. C'est juste le délai qu'il faut éditer. Je suis pas mal sûr de ça. Ok, j'ai dit ça, c'était 10 sur 10, hein. La plus belle perle que j'ai vue de ma vie. Ha, rec. Noob. Donc, c'est juste le délai que je pense qu'il faut modifier parce que, ouais, ils ont quand même passé deux couches déjà, ils ont déjà bien fait ça. Fait qu'on va juste attendre qu'ils réussissent à rentrer dedans. Et puis, je vous reprends quand on est à l'intérieur, les amis, tout de suite. Ok, ils viennent de prendre une shot. Là, je pense que ça devrait marcher. Ah, voilà. Super. C'est good. Il faudrait une pomme et une patate pour la durée. Une quoi? Une patate. Avec une patate sur J'en ai pas, l'option pour j'en la ai pas, moi, durabilité. perso. T'en as-tu? Va dans notre BP, je pense qu'on en a gros. Ok, non, ouais. Attention, par exemple, tu vas mourir. Ok, bon, ben, je vais reprendre les gars quand on est à l'intérieur. C'est bon, en fait, les gars, on a juste bug underpearl en dedans. What? Ok, mais on passe, j'ai jamais cassé ses coffres, en gros. Déjà, c'est la base de qui? Je sais pas, c'est la zbu zbu zbu. Ouais, j'arrive pas à voir. Ah, mais ils sont connectés, ça, ils ont dû regarder, là. Ouais, pis. Igor, Valoche, Dom. Ah ouais, j'ai pas de pomme cheat par exemple. Tiens, j'en ai deux. Vas-y, attends. Et là, c'est quoi, ils sont connectés? Ouais, y'en a. On a trois en ligne, gros. Mais comment on fait pour péter ces coffres, tu sais? Non, ouais, je sais pas. Plein de popillons. Ouais, je pense qu'il faut péter l'obsidienne et il faudra. Faudra sûrement faire de la Ah, il merde faudrait après. péter par au-dessus. Ouais, c'est ça que je me disais aussi, Une faudra masse faire de péter. creeper et puis après tu sautes d'oeuvre. Ouais. T'as raison. Ah, je sais pas. Je sais pas comment faire en vrai, gros. Sinon, on peut use bug block, mettre le creeper, péter le coffre peut-être. Vas-y, essaye. Mais je pense pas que ça va fonctionner, gros. Hein. Parce que regarde, il y Ça va déjà, a. je pense. Attends. Faut juste que tu te mettes comme ça, alors regarde. Faut qu'il y en ait un qui côté du coffre. Toi qui use bug block. Gros, ça va être hyper chaud, c'est impossible. T'as Mais un non, briquet? je... T'as un briquet ou pas? non, je... Je vais quand même essayer pas de briquet, voir peut-être.
que c'est du bloc, mais. Gros, c'est. Gros, c'est impossible, je te le dis. C'est impossible sur deux blocs. J'ai jamais fait donc. Bloc, je peux, mais. What the fuck, faudrait que quelqu'un se fasse lag. Ah, c'est bon. Ouais, non, ça marchera jamais, gros. T'es dispo? Non. Je pense pas qu'on pourra, mec. Bon. Je vous retrouve pour la séquence PP tout de suite après, les gars. Faut deux creepers, what the fuck. Le gars, il dit que ça prend deux creepers. Le gars, s'il sait faire, je vais lui donner au pire. Hein. Vas-y. Je vais lui donner genre 7 creeps. Donne juste deux, voir si Bah les couilles ici, je. enfin, donne-lui des chances de rater un peu quand même, pauvre lui. Ah oui, après tu le redonnes. Voilà. En parlant avec le creeper, il va se barrer sur le côté. Voilà, je pense aussi. Il va essayer au moins. Bon, je vous reprends si on réussit, les gars. Je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. À tout de suite. Ok, TP, ah, j'ai dit. Donc en vrai, en gros. Ouais, bah là, t'es pas connecté. Ouais, c'est bon. Donc en gros, les gars, vite fait, je vais vous expliquer. Vous devez pas sauter. Ok. En gros, je vais vous expliquer. J'ai dit, et moi, on a une base, genre. Puis il y a des gens qui essaient de rentrer à côté. Si on va essayer d'aller les PVP. Ça va être du 2 contre 2. Faut sauter dans leur dos, vous. Yes, il y a un underpin. Oh shit, attends. Toi, t'es under. Les dégâts de chute. Ok, mais. Genre, on va pas mourir, t'es sûr? Faut qu'on aille chercher une poudre d'anti-chute au cas où. Mais j'en ai une, je vais t'en donner une en fait. J'en ai une. Ok. Tiens, tac, tac. Vas-y, Et. c'est bon. T'es sûr qu'on va pas mourir si on va là-dedans? Il est plus Non, là, le gars. mais on a anti-chute là. Ok, go. Ah, gros! Faut que tu les mettes ennemis! Mais t'es en combat, tu pourras pas le faire, je crois. Dépêche-toi, dépêche-toi. Gros, il nous a coincé là. Et au pire, je prends des creepers. Tu peux faire péter les trucs en obsidienne là? Les craft. Ah ouais, pas con. Vas-y, reste genre 5 secondes. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Ah ouais, tu le mets là, tu le mets genre le truc là-dessus, tu fais péter. Tu passes juste par là-dessus ici. Pas con, pas con. Haha, ils sont petits cons. What? C'est bon, là, on a juste un interfère. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Vas-y, perle. Ouais, je le fais au pire. J'ai pas réussi, vas-y. On peut pas, c'est bizarre. Il est en train de boucher le gars. Tu l'entends pas boucher? Oh, juste là, il bouge quelque chose le gars, c'est bizarre. Les œufs de creep, ça pète sur le psy? oui, ça fait des dégâts, ouais. Ah, ok, j'étais pas sûr. Et il a fait un truc bien sécure, hein. En bas direct. Ouais, c'est casse-couille son truc, gros. What the fuck? C'est back. Ouais, il me casse les couilles. On chess. Adios, amigos. Bon, il y a deux gars qui font les malins. Celui qui fait le malin tombe dans le ravin, comme on dit toujours, les copains. Oh, je suis un peu sous. Oh là là là. T'as un arc punch au moins? Non. Ils vont faire que ça pour pas comme ça. Bah t'inquiète. Ils vont pas devant toi, tu vois. Bon, tu faisais le malin avec ton arc. Moi j'ai envie de te niquer ta mère la pute. Je vais prendre tes pommes par exemple. Merci. Et là il y avait un autre gars qui était en orange ici quelque part. Je l'ai vu tout à l'heure. Remonter à la surface. Ok. What the fuck. Je suis coincé. Je suis coincé dans un trou. Tabarnak. J'essaie de T'es sortir en d'ici les gars. combat? Ouais, pour 10 secondes. Attends, je pense qu'on peut remonter là. C'est marqué remonter vers la surface. Donc, ouais, attends, je dois remonter. Bon, les gars, il y a des full diam ici. On va C'est tirer. comme un Vu que j'ai. Ok, TP, yes. Vu que je suis vraiment un gros fils de pute et je suis vraiment en manque de kills. T'as pas le temps. Gros, il est full diam. Pauvre enfant. J'essaie Merde, pas de parce que c'est tomber. la gueule. Ouais, j'allais dire, essaie de pas tomber en bas. Mais
Bonne journée, maman. Vous voyez ma maman comme elle est mignonne, elle me dit bonne journée tous les matins. What? J'ai bugué dans un bloc, est-ce que c'est pas juste tabarnak de calice? Là, il prend l'avance sur nous, madame et messieurs. Fait je suis à bout. Moi, j'ai deux full P4, deux full P4 gems sur moi. Gros, t'es un estime malade, man. Faut trouver vraiment du vrai fight alors. Parce que juste tuer des stuff jam, c'est pas amusant. Oh, y'a un gars, je te jure, il est en train de me gank. J'étais en train d'écrire dans le staff et il est full cité à P4. Ça c'est pas juste, mais calme-toi, gros. Calme-toi. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, gros fils de pute. J'étais pas prêt! Bon, je suis coincé dans un coin là. Attends, faut que je sorte de ce coin de merde. Ok, gros, j'étais pas prêt, c'est bon. Arrête, arrête, c'est bon, j'étais pas prêt, gros. J'étais pas prêt, gros, c'est bon. Calme-toi! Calme-toi! Option FOV. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de l'enlever. Mais bon. Je suis direct devant le spawn, sur un peu sur le côté si tu veux venir. Il y a deux gars. Ah, il y a tes full jam, ils sont là en fait. Bon, t'es prêt. C'est quand tu veux venir me donner un coup de main. Hein. Là, je suis en train d'arriver là. T'aurais quasiment pu faire juste slash pond, ça aurait été plus vite. Hein. Wow, wow, wow. Ouais. J'ai juste. Ouais. Ah ouais, je te vois. Aide-moi à éliminer ce gars. Moi, j'ai pas de. J'ai pas. J'ai juste un armor vu que je suis pauvre. Hein. Et là, il va me couler. Il m'a bat les couilles, il fait juste focus lui parce que. Voilà, il est casse-couille. Fuck. Il a commencé à back? Ah oh ouais, c'est bon. Bon, il y en a un nouveau. Il y en a un autre. Vas-y. Il a lag! Oh putain, je croyais qu'il avait crash. Ouais, moi aussi. Et il est revenu. Ah, il est revenu, il est pas back lui. Gros, tu leur fais trop mal avec ton épée. C'est quoi ton épée? Yeah, mais il me saoule lui. Oh mon dieu, je me fais enculer par exemple. Bon, je vais mourir. Si je, si je meurs, je meurs, mais bon, balek. T'as des bombes shit? Ouais, j'en ai deux. Gros, moi je te dis, j'ai. Il va me saouler lui. Je vais pas dépenser tout mon mes trucs en venant PVP. Mec, il a crash. Sérieux? Non, c'est bon. Il crash toujours, j'ai l'impression. Viens m'aider contre l'autre gars, il est plutôt bon en fait. Ouais, j'arrive. Ouais, moi, aussi, moi je suis plutôt nul en fait. Moi aussi. Mec, c'est Pichelette, t'as maniqué. Sérieux? Bah ouais, mec. Bon, Pichelette, il est pas très doué donc quand même. Bah, moi non plus. Tu vas me saouler toi mon bon, gars. Bon, allez, essaye de prendre l'autre, je vais prendre lui. Ah ouais, lui il est easy quand même. Ah ouais, là les deux sont sur moi par exemple, j'ai dit. Hein. Faut que tu te retournes, copain. T'es plus en forme. Gros, dégage sur moi. Prends le gars qui est en jaune, je vais prendre le gars en vert, ok. Ah, suis chef. Non mais il s'en bat les couilles en fait de toi, les deux me focus sur moi en fait, c'est ça le truc. Mais c'est parce que t'es youtubeur, vas-y, back nord. Je vais pas back gros, je vais me fight jusqu'à la fin. Je m'en fous de mourir moi. Bah moi vous le mettez pas trop. Un fou. Faut le raid faire juste quick drop le gars mec. Il me met beaucoup trop de coups. Ah voilà, là c'est bon. Non, tu vois il s'en bat les couilles de toi en vrai. Tu le tapes, il s'en bat les couilles. Là, il va vouloir me caber en bas puis après il va te focus. Tu... Et les gars, il t'a 49. Ah, c'est bon, il s'est réveillé. Il y en a un de lui qui a un épée bizarre, non? Non, pareil. C'est elle... un titan. Le gars, il lag, ton pote. Le gars qui... Ok, c'est bon, moi parfait. C'est bon, il est grave nul, le gars. Le vert, il est grave nul, gros. Si tu me laisses le vert, je peux me le faire, mais bon, mon armure est à 10%. Faut que je m'essaie de m'éloigner du combat et essayer de fixer le mec. Vas-y, le mec, mais le mec, il peut pas. Je peux rien faire contre le jaune, il se punch là. Et j'en ai pas. Moi non plus j'en ai pas. Mec il veut me caber le verre là. Moi faut juste que j'essaie de faire un fixel 20 secondes gros. Faut pas qu'il me touche pendant 20 secondes et je suis bon. Je suis en train d'essayer d'arriver mais il se passe. Vas-y saute en bas. On va essayer de garder la distance. Comment, pour monter après t'es... Gros, je... 10 secondes. Je m'en bats les couilles. Ah oh, putain j'avais 8 secondes. Il est sérieux ce fils de pute là. Bon ben moi je vais mourir par exemple mec. Bon c'est pas grave. Prendre une pump cheat au moins avant. Ah, il y a deux autres full diam aussi sur le côté là qui sont là pour faire chier, bien faire chier. Gros, t'imagines mon truc il a cassé. Mes pantalons ont cassé avant tout.
T'es sérieux? T'as Ouais. cassé ton pantalon? Ouais, le pantalon, il Mais a quel cassé. Ah. gladiateur! Quel J'ai gladiateur! Autant casse le si! déjà tout fait, mes kids, gros. Oh putain, vas-y, viens! Oh mec! Ah ouais, pas grave. Mais Je sais même pas qui on récup, c'est hein. dommage qu'il s'est mis les deux sur moi parce que moi j'aurais pu en avoir un des deux. C'est pas grave, il a fait l'aggro. Bref les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce blanc. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Icons, peace!